son cœur et relâcher sa voix pour déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Quelqu'un dit amen. Nous allons rester debout s'il vous plaît. Nous allons lire une portion des Écritures dans le livre de 1 Samuel chapitre 9. Rassurez-vous, je n'ai pas fait exprès. Alléluia. Ce n'est pas parce que je m'appelle Samuel qu'on va lire dans Samuel. Quoique, ça c'est l'un de mes meilleurs livres. Alléluia. Dans 1 Samuel chapitre 9, une très belle histoire que vous connaissez certainement. Nous allons lire quelques versets et Dieu va nous aider. Alléluia. La Bible dit, tu peux avoir un lecteur ici? Oui, notre ministre de la communication. Oui. 1 Samuel chapitre 9, à partir du verset 1. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Théror, fils de Bécorath, fils d'Apiak, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, il les dépassant de tous de la tête. Et les dépassant tous de la tête. Les ânes de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânes. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tuf. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânes, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville, un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. » Ça me fait penser au révérend Gilly. Amen. Vas-y. Allons-y. Allons-y donc. Peut-être fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu ? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons ?» Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici. J'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez et allons au voyant. » Car celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait autrefois le voyant. C'est cela. Verset 16. Verset 15, voilà. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Amen. Verset 20. « Ne t'inquiète pas des ânes. » Quelqu'un dit « Ne t'inquiète pas. » Des ânes que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Naviguant, arrivant au chapitre 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. » Près du sépulcre de Rachel. Sur la frontière de Benjamin, à Tseltsak.
ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Amen. Je prophétise que tout ce que tu as perdu sera retrouvé. Amen. Mm-hmm. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin. Dis avec moi, de là, tu iras plus loin. Et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un trois chevreaux, l'autre trois gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront deux pains. Que tu recevras de leurs mains. Amen. Après cela, quelqu'un dit après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Amen. Amen. Que le Seigneur accomplisse sa parole dans nos cœurs. Alléluia. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dites-moi bien Amen. Amen. Vous savez, dans l'église d'église, si on dit bien Amen, c'est qu'il y a beaucoup de miracles dans cette église. Amen. Parce que c'est le miracle qui valide, c'est le Amen qui valide le miracle. Alléluia. La Bible dit que en Christ, toutes nos prières, les promesses de Dieu sont oui et amen. Ça veut dire que lorsque nous prions, Jésus dit amen au ciel. Alléluia. Mais c'est pas encore validé. C'est comme la cérémonie de mariage où on demande au marié, est-ce que tu veux prendre la dame pour épouse? Il dit oui. Le maire dit ok. On prend acte. Et on demande maintenant à l'épouse, est-ce que toi aussi tu veux? Quand elle dit oui, alors le mariage est validé. Donc quand Jésus dit amen, Dieu prend acte. C'est le amen de l'Église qui valide le miracle maintenant. Donc si toi et moi nous disons amen ce soir, il y a un miracle qui sera validé quelque part. Est-ce que tu peux me donner un bon amen, un bon amen, un bon amen, un bon amen? Un bon amen, un bon amen, un bon amen. Bien-aimé, j'ai la lourde responsabilité d'ouvrir J'irai 2019. Parce qu'après cela, à ceux qui vont venir, ça sera du balèze. Alléluia. Et je crois que Dieu va nous faire du bien au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi, J'irai 2019. En fait, Dieu a occasionné ce moment pour nous propulser dans quelque chose de plus grand. Et le thème dit de plus grandes œuvres. Alléluia. Ma Bible déclare que l'Éternel a préparé de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Quelqu'un me dit amen bien. Et tu sais que Dieu a préparé ces œuvres-là avant même que tu ne naisses. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je peux parler à quelqu'un ce soir? Avant que toi et moi nous ne naissions, Dieu avait déjà préparé de bonnes œuvres pour nous. Quelqu'un dit amen bien. Vous savez, le problème que la plupart d'entre nous a, c'est que nous commençons à regarder notre vie à partir de notre naissance. Mais nous n'avons pas commencé à vivre le jour où nous sommes nés. Nous vivions avant notre naissance. Ton amen est bizarre. Parce que en réalité, tu as commencé, ta naissance a été simplement le jour où Dieu t'a manifesté sur la terre. Mais avant ta naissance, tu étais déjà un esprit en Dieu et chez Dieu. Dieu t'a donné un corps pour te manifester sur la terre. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Alléluia. C'est pour cela, même avant que tu ne naisses, il y a eu un combat qui s'est passé avant même ta naissance. Vous savez, quand quelqu'un a des pensées de suicide, c'est quelqu'un qui ne connaît pas bien l'histoire de sa naissance. Si il dit histoire, tu me dis raconte histoire. Alléluia. J'aime beaucoup cette histoire. Je vais la raconter avant de commencer à prêcher. J'étais à l'université, je faisais la biologie et le professeur
nous donner un cours spécial sur la reproduction chez les mammifères. Amen. Histoire. Et le professeur nous dit quelque chose. Et pendant qu'il me parlait, le Saint-Esprit me donnait de comprendre autre chose, dans une autre dimension un peu prophétique. Quelqu'un dit amen bien. Et le professeur disait que, vous savez, dans une seule goutte du sperme de l'homme, il y a plus de 4 millions de spermatozoïdes. Ça veut dire que dans la semence de l'homme, il y a des milliards de spermatozoïdes. Et le truc est que c'est un seul spermatozoïde qui doit féconder l'ovule. Histoire. Donc, sur des milliards, je ne connais pas pour toi, mais nous, on était des milliards et il fallait forcément que ce soit un seul spermatozoïde qui arrive au niveau de l'ovule. Comprenez? Et le professeur nous expliquait donc que la nature, lui dit la nature, mais c'est Dieu, a placé dans le sein de la femme des barrières naturelles en vue de sélectionner les spermatozoïdes. Quelqu'un dit amen, lui, hein? J'ai dit, ah! Alors, le jour où mon père va avec ma mère, nous étions des milliards dans le sein de ma mère. Et le professeur explique que la première barrière dans le sein de la femme, et il a appelé l'acidité du milieu. C'est comme une forte température dans le sein de la femme qui tue des milliers de spermatozoïdes en même temps qu'ils ne peuvent résister à la chaleur. Alléluia. Donc nous étions des milliards dans le sein de ma mère et lorsque nous sommes arrivés là, plusieurs sont morts, mais moi je ne suis pas mort. Alléluia. C'est pour cela que je peux dire et déclarer que si je ne suis pas mort là-bas, c'est pas sur la terre que je vais mourir. Aucune situation, aucune épreuve ne pourra me tuer au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Aucune situation difficile ne peut te tuer parce que si tu devais mourir, c'est là-bas que tu devais mourir. Mais si tu n'es pas mort ici, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, je ne mourrai pas au nom de Jésus. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et le professeur nous dit après cette barrière naturelle, il y a une deuxième barrière, papa. Il dit que il y a dans le sein de la femme comme des cils, c'est comme des cordes, des lianes qui retiennent les spermatozoïdes. Ceux qui connaissent un peu le schéma, ils ont une longue queue, hein, n'est-ce pas, qu'on appelle, je crois, le flagelle, un truc comme ça. C'est ça? Voilà. Donc, ils retiennent les spermatozoïdes afin de les arrêter. Bien aimé, il fallait me voir en train d'esquiver et de dribbler. Oh my God. Aïe, 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 aïe. J'étais en train de les esquiver et de les dribbler. C'est pourquoi je suis convaincu que sur cette terre, je suis instoppable au nom de Jésus. Est-ce que je parle à des hommes et des femmes instoppables au nom de Jésus? Rien ne t'arrêtera sur cette terre au nom de Jésus. Alléluia. La maladie ne t'arrêtera pas. La galère ne t'arrêtera pas. Les problèmes ne t'arrêteront pas. Rien ne pourra t'arrêter au nom de Jésus. Alléluia. Faut prophétiquement faire comme ça. Hey. Tu entends d'esquiver comme ça, fais encore. Hey. Si elle dit quelque chose, tu dis hey, la maladie, la pauvreté, l'échec, le suicide, la mort prématurée. Alléluia. Donc, et il dit maintenant après que, donc après ça, nous étions une centaine, n'est-ce pas? Et il dit, il y a une troisième barrière naturelle dans le sein de la femme qu'on appelle la glaire cervicale. C'est comme une rivière agitée qu'il faut traverser. Je ne sais pas si toi tu sais nager. Mais là-bas, on a nagé. Quelqu'un me dit amen bien. On a traversé la rivière là. C'est pourquoi je crois que sur cette terre, aucun esprit des eaux ne peut arrêter ta destinée. Aïe, 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 aïe. Aucun esprit des eaux ne peut arrêter ton mariage. Je refuse que tu meurs par noyade. Parce que si tu n'es pas mort dans l'eau là-bas, tu ne peux pas mourir sur cette terre dans l'eau au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen et ça s'accomplit. Alléluia. Après la nage, papa, on était maintenant une centaine. Et là, il faut courir pour arriver au niveau de l'ovule. Alléluia. Donc, la course était lancée. Maintenant, ce que tu ne sais pas peut-être, c'est que les spermatozoïdes femelles sont plus rapides que les mâles. C'est pourquoi il y a beaucoup de femmes sur la terre.
Partout en bas, il y a tout. Même ici, il y a plus de femmes que d'hommes, n'est-ce pas? Les femelles sont plus rapides, mais les mâles sont plus résistants. Alléluia. Donc, pendant que nous étions en train de courir, il y avait une petite fille devant moi, papa. Très rapide. Je cours, mais elle est devant. Alléluia. Je vais vite, mais elle est devant. Elle est arrivée à l'ovule avant moi. Mais le problème n'est pas d'arriver. Le problème est de trouver la porte. Il y a des gens qui t'ont dévancé dans ta destinée. Mais ils ne rentreront pas avant toi au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont arrivés avant toi. Mais ils ne sont pas rentrés avant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est en cela que la Bible déclare, avant que tu ne naisses, quand tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais oint. Donc ton onction n'a pas commencé maintenant. L'onction a commencé bien avant dans le sein de ta mère. Quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Parce que la porte reconnaît seulement la voix d'un oint. Elle est arrivée avant moi, mais elle n'est pas entrée avant moi. Parce que sur des milliards, c'est moi que Dieu a oint. J'ai envie de dire à quelqu'un que tu es celui que Dieu a choisi. Tu es celle que Dieu a choisi sur des milliards. Dieu a regardé dans ta famille, il t'a choisi. Il a regardé parmi tes collègues, il t'a choisi. C'est pour cela que ta destinée est précieuse devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit j'irai 2019. Frère, donc le fait de naître sur cette terre, tu es déjà un vainqueur. Mais quand tu as Jésus, ça fait deux. C'est pourquoi on déclare, la Bible déclare que nous sommes plus que deux fois vainqueurs. Naturellement vainqueurs, spirituellement vainqueurs. Alléluia. Rien ne pourra t'arrêter au nom de Jésus. Le problème de ta destinée, c'est que tu ne comprends pas bien les choses de ta vie. Le texte que nous avons lu tout à l'heure parle d'un jeune homme qui avait, à un certain moment donné de sa vie, un problème de compréhension de lui-même, sa propre destinée. Vous savez que Saül avait quatre, il avait cinq problèmes. Ah, Saül. Premier problème. Quelqu'un dit, oui, monsieur. Premier problème. Dit, oui, monsieur. Voici un monsieur adulte, barbu, vieux, qui à son âge est encore dans la maison de son père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Saül, depuis là, hein? Je ne sais pas quel âge il a, hein? Mais vers la quarantaine, il est encore dans la maison de son père. Alléluia. Il y a des gens comme ça qui ont des esprits bizarres, que Dieu a obligé de chasser lui-même. C'est ce qu'il a fait avec Abraham, qui s'appelait Abraham. Le monsieur a 75 ans, papa. Et il est dans la maison de son père. Il dit, monsieur, il faut quitter la maison de ton père. Il y a des gens qu'on doit chasser par force. By fire, by force. Parce que j'ai découvert, papa, qu'il y a des miracles dictatoriaux dans la Bible. Un miracle dictatorial, c'est un miracle où Jésus ne demande pas l'état de ta foi. Oui, d'habitude, quand il rencontre un malade, c'est le malade qui va vers lui. Il demande au malade, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais la Bible raconte une histoire bizarre. Où un homme était couché au bord d'une piscine pendant 38 ans. Il n'est pas allé vers Jésus. Jésus était couché, il faisait la sieste. Et le Seigneur lui a dit, Jésus, s'il te plaît, lève-toi, il y a un gars qui a un problème là-bas. Et il nous fatigue, ça fait 38 ans. Si tu ne règles pas le problème, il va faire 40 ans là. C'est le chiffre de la maturité. Il va dire que lui, il a connu un problème que personne n'a connu, 40 ans de paralysie. Jésus s'est levé. Il n'a pas dit bonjour, monsieur, frère. N'est-ce pas? Il dit, veux-tu être guéri? Ah! D'habitude, le malade va vers Jésus. Mais là, Jésus va vers le malade. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu cherches dans ta vie, mais agirai 2019. Il y a des choses qui vont te chercher. Ah, il y a des choses qui vont te chercher au nom de Jésus. Et le monsieur commence à entrer dans certains discours. Il dit, Seigneur, tu sais que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Il dit, pardon, monsieur, donc ça fait 38 ans que le lit là te porte. Il dit, oui, aujourd'hui, toi, tu as porté le lit là. Agirai 2019, il va avoir un changement de situation. Les gens chez qui tu allais manger doivent venir manger chez toi. Des gens que tu portais, qui te portaient doivent maintenant te porter au nom de Jésus. Donc, il n'a pas demandé au monsieur l'état de sa foi. Il dit, lève-toi, prends ton lit puis rentre chez toi. Ça, c'est un miracle par dictature. Quelqu'un me dit, amen bien. Pendant cette semaine, il va avoir des miracles dictatoriaux dans la vie de quelqu'un.
à toi, amen n'est pas fort. Même si tu n'as pas la foi, Dieu va faire. Alléluia. Cette semaine est prophétique. Oh, la prophétie est plus puissante que la prière. Parce que la prière, tu as besoin de la foi pour son accomplissement. Mais la prophétie, même si tu n'as pas la foi, quelqu'un est choqué. Parce que la prophétie n'appartient pas à la dimension de la foi. Elle appartient à la dimension du temps. La prophétie, c'est comme une femme qui est enceinte, papa. Elle n'a pas besoin de la foi pour accoucher. Lorsque le temps de l'accouchement arrive, qu'elle soit au travail, qu'elle soit dans la voiture, qu'elle soit dans l'avion, parce que le temps est arrivé, l'enfant là va sortir. Je prophétise que tu es dans ton temps de ton accomplissement. Ah, ça va arriver au nom de Jésus. C'est une question de temps. Quelqu'un dit oui, monsieur. Oui, monsieur. Saül a un problème. Il est vieux et il est dans la maison de son papa. Comme Abraham. Abraham n'a pas en parlé de lui. Deuxième problème de Saül, quelqu'un dit oui, monsieur. Il n'est même pas capable de garder les ânesses de son papa. Non seulement tu es vieux dans ma maison, et tu n'es même pas capable de garder mes ânesses. Donc les ânesses sont perdues. Troisième problème, quelqu'un dit oui, monsieur. Il n'arrive même pas à trouver des ânesses. L'animal même qui n'est pas très intelligent là. Toi, tu n'arrives pas à le retrouver. Dans un désert, un animal qui est gros comme ça, tu peux le... il n'arrive pas à trouver. Pendant 3 jours, il ne trouve pas. Donc, c'est quelqu'un qui ne trouve rien. Il cherche sans rien trouver. Il y a des gens dans l'église qui cherchent le travail, qui ne trouvent jamais le travail. Ils ne trouvent jamais le mari, ils ne trouvent jamais la soeur. Tu as quel problème? On va te délivrer de l'esprit de Saül au nom de Jésus. Tu dois trouver quelque chose. Quelqu'un me dit un bon amen. Il ne trouve rien pendant 3 jours. Alléluia. Oui, quatrième problème. Quelqu'un dit oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est quelqu'un qui a une vie limitée, une vision limitée. La vie de quand il arrivait au pays de souche, il dit c'est bon, retournons-nous. Retournons-nous parce que là, le papa est en train de penser à moi. Un vieux comme ça. Et il y a des gens, tu vois, qui ne peuvent pas dépasser certaines limites, papa. Ils peuvent travailler longtemps, mais ils ne peuvent jamais dépasser 1000 euros. Tu vois, quand ils arrivent au bord de la limite, ils sont obligés de faire demi-tour. Ils disent retournons. Retournons. L'esprit des rétrogrades, retournons. Et des gens comme ça fatiguent dans l'église. Quand le visionnaire dit on va aller là, dit non, papa, restons ici. On dit mais non, là c'est trop petit. Non, papa, restons. Parce qu'ils ont peur d'expérimenter de nouveaux territoires. Mais ici à Jireh, on va conquérir de nouveaux territoires au nom de Jésus. On va conquérir de nouveaux territoires au nom de Jésus. Dieu nous enverra très loin au nom de Jésus. Je déclare que les limites seront brisées au nom de Jésus. Nous allons dépasser nos limites. Les limites spirituelles, les limites financières, les limites territoriales. Nous allons dépasser ces limites. Alléluia! Alléluia! Cinquième problème, dis oui, monsieur. Saül n'a rien. Son serviteur, il dit, celui qui dit au serviteur, si on va voir le prophète, je n'ai rien. Son serviteur, c'est qu'il n'a rien. Tu sais, il faut marcher avec quelqu'un qui a quelque chose. Quelqu'un qui n'a rien, il a un danger pour ta destinée. Heureusement que le serviteur dit, j'ai quelque chose. Papa, le serviteur ressemble un peu au Saint-Esprit. Alléluia. C'est le serviteur qui dit à Saül qu'il y a dans cette ville un homme considéré. Allons le voir. Il donne la direction. Dans la vie, lorsque tu ne sais plus ce que tu dois faire, tu dois savoir au moins où tu dois aller. Alléluia. Il y a des moments où tu te sens coincé et bloqué, mais tu dois connaître quelle est la direction. Où est-ce que je pars? Il lui donne la direction. Allons dans cette ville. Il y a un homme considéré. Alléluia. Deuxième robe du Saint-Esprit. Quand il arrive, il dit retournons. Le serviteur lui dit non. Allons plus loin. Le Saint-Esprit va te pousser toujours à dépasser tes limites dans la prière, dans la semence, dans le ministère. Il va te pousser à dépasser tes limites. Et troisième chose, pour ce qui nous concerne, le Saint-Esprit sera toujours là pour la providence. Pour la provision. Il dit, j'ai quelque chose. Allons-y. J'ai quelque chose. Je bénis Dieu parce qu'ici à la providence, nous avons quelque chose au nom. Alléluia.
Ce que j'aime ce Dieu, papa, c'est que notre Dieu, c'est un Dieu pourvoyeur. Ah, ici, là, on est dans la grâce, dans l'atmosphère de la providence. Oh, pendant longtemps, papa, quand on a commencé le milieu à l'école biblique, on nous enseignait quelque chose. Je croyais ça pendant des années, mais après, j'ai vu que c'est pas vrai. Quelqu'un dit, choque-moi. Ah, je vous ai pas dit mon nom, c'est Bouche d'or. C'est comme ça. Voilà, dis Bouche d'or. Quand tu dis Bouche d'or, tu augmentes l'onction par 10. Ah, voilà. C'est comme ça. Papa nous enseignait que quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Moi, je croyais à ça pendant longtemps. Je ne crois plus à ça. Oui? Est-ce que je peux te choquer? Ce n'est pas vrai, maman. Ce n'est pas vrai. Oui! C'est-à-dire quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Non! Alléluia! Histoire. La Bible dit, je t'explique maintenant pourquoi je ne crois plus à ça. Papa, Gabriel vient dire à Marie qu'elle sera enceinte. C'est ça? Confirme à Joseph. La grossesse fait 9 mois. N'est-ce pas? Et quand l'enfant naît, dans les tables et tout ça, la Bible déclare que des mages d'Orient viennent voir l'enfant avec l'encens, la myrrhe et puis l'or. Ils étaient à l'Orient, quelque part, soit en Inde ou au Japon ou en Chine. N'est-ce pas? Il n'y avait pas d'avion en ce moment. Ils n'étaient pas venus par bateau. Chameau. N'est-ce pas? Et ils arrivent, papa. Quand ils arrivent, ils vont directement chez Hérode. Parce que pour eux, ce n'était pas des juifs, hein? C'est des sorciers, hein? Les mages, là. Vous savez ça? Les astrologues, c'est des vrais sorciers. Alléluia. Mais qui ont repéré dans l'atmosphère qu'il y a un roi qui est né. Donc pour eux, naturellement, ça doit être le fils d'Hérode. C'est comme ça qu'ils vont directement chez eux pour dire qu'on est venu voir ton fils qui est né. Hérode dit, ah? Donc, il y a donc un roi qui est né. Ce n'est pas ton fils, non? Donc, ils comprennent que l'affaire est bizarre. Parce que Hérode était un roi, vraiment, ce n'est pas le vrai roi. Ce n'est pas un vrai juif, c'est un usurpateur. À ce programme-là, tous ceux qui prennent ta place, on va les enlever au nom de Jésus-Christ. Histoire. Et regardez ce que Hérode leur dit. Après, quand l'ange se révèle aux mages et puis ils repartent chez eux, Hérode demande à ce que les enfants des hommes à 2 ans soient tués. On est d'accord? On est d'accord, hein? Pourquoi? Parce que les mages vont dire à Hérode, le moment précis, ils ont commencé à remarquer l'étoile dans le ciel. Ça veut dire que du moment où ils ont vu l'étoile et tout leur voyage jusqu'à arriver à Bethléem, c'est entre 11 et 2 ans. Je prends le minimum, donc 11 mois. 11 mois et 2 ans. C'est pourquoi ils tuent les enfants de 2 ans. Ça veut dire qu'ils ont fait 11 mois de voyage. Donc, avant que Gabriel ne vienne dire à Marie que tu seras enceinte, les mages avaient déjà l'information. Ça faisait déjà 2 mois qu'ils savaient qu'il y a un roi qui est né là-bas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce qui veut dire, avant que Dieu donne la vision, Dieu a déjà donné la provision. Donc la provision existe avant la vision. La provision ne vient pas après la vision. La provision existe avant la vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu me dis amen, tu te connectes à la provision. Papa, bon, le problème c'est quoi? C'est que tu as simplement besoin d'être connecté à ta provision. Quand Dieu vient te parler, il a déjà préparé la provision de la vision. Quand il te dit, tu vas faire le ministère, il a déjà préparé la personne pour la provision. Quand Dieu te dit, tu vas faire les affaires, la provision des affaires existe déjà. La seule chose qui te manque, c'est la connexion. Ce soir, je viens comme un prophète de connexion pour te connecter à ta provision. C'est ton amen qui établit la prophétie. C'est ton amen qui établit la prophétie. Alléluia. Donc, les mages étaient informés avant Marie elle-même. Alléluia. Les mages étaient informés avant Joseph. Ils savaient déjà. Je parle à quelqu'un. Donc, vous êtes d'accord avec moi que la vision ne vient pas avant la provision.
La provision existe avant la vision. Alléluia. Regarde, tout ce dont tu as besoin pour prospérer sur la terre, c'est déjà sur la terre. Ton fils Saint-Guy est marié. C'est maintenant que le mari là va naître. Ah, tu as il ne sait pas à quel âge tu as été marié. Le mari est déjà né, papa, n'est-ce pas? Il est quelque part, c'est toi qui ne l'as pas encore rencontré. Tu as besoin d'une voiture. C'est pas maintenant fabrique ta voiture existe déjà. Tu as besoin d'une maison. La maison existe déjà. Tu as besoin des hommes de connexion pour entrer dans ta provision. Et je prophétise qu'ici à Providence, la connexion pour la provision est établie au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. C'est établi. C'est établi. Alléluia. Histoire. Donc voici Saül, un monsieur qui a 5 problèmes. Mais Dieu, dans sa grâce, va quand même le choisir pour être roi. Et le jour où Saül va recevoir l'onction, sa vie va changer complètement. Je parle à quelqu'un. Écoute-moi bien. Ah! J'aime ça. Aïe. Je sens une provision pour quelqu'un. Je sens que quelqu'un attend quelque chose de Dieu. Dieu est en train de me dire, de te dire que la provision est déjà là. À la sortie de ce programme, tu seras connecté à cette provision. I feel it in my spirit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Et donc, voici Saül qui va rencontrer Samuel. Alléluia. Et quand il rencontre Samuel, des événements puissants vont arriver à sa vie. Alléluia. Saül va se rendre compte que pendant que lui cherchait des ânesses, la royauté le cherchait. Frère, ce qui te cherche est plus fort que ce que tu cherches. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais il y a plus grand qui te cherche. Et lorsque ce qui te cherche te trouve, tu trouves ce que tu cherchais. Aïe. Alléluia. Papa, il y a des gens qui cherchent, ils cherchent des choses, pendant qu'il y a d'autres choses qui les cherchent. Alléluia. Il y a des choses plus grandes qui te cherchent. Il y a des choses plus fortes qui te cherchent. Il faut que Dieu te trouve. Il faut que Dieu te trouve. Alléluia. Et la Bible déclare que Dieu dit à Samuel que j'ai préparé un homme. Je te parlais d'hier d'un homme que je vais venir vers toi. Donc, tout le scénario de la perte des ânesses était orchestré par Dieu. Dieu, c'est le plus grand metteur en scène. Hein? Et il occasionne des choses pour te pousser dans ta destinée. Je parle à quelqu'un. Et ce que tu dois comprendre, c'est que le chemin de la destinée commence toujours par une perte. Tu ne peux jamais retrouver ta destinée sans avoir perdu quelque chose. Le point qu'on a avec Dieu, c'est que nous avons été élevés, éduqués depuis l'école. Quand tu as au CP1, c'est ça? Papa, le chiffre mathématique, le premier qu'on nous apprend, c'est l'addition. 1 plus 1. 2 plus 2. Et nous avons grandi dans la mentalité de l'addition. C'est pour ça que quand tu as 1000 euros, tu veux 2000 euros. Quand tu as une voiture, tu veux une deuxième voiture. C'est normal. On a été éduqués comme ça. Mais quand tu viens à Jésus, il va reparamétrer tout le programme dans ton esprit. Parce que lui ne commence jamais par l'addition. Lui commence par la soustraction. Donc quand tu viens à Jésus, il dit d'accord, bienvenue mon fils. Et puis il enlève. Il enlève les relations. Il enlève l'argent, il enlève l'honneur, il enlève ce qui faisait ta gloire, il enlève la famille. Et tu dis, mais Seigneur, il y a quoi? Il enlève jusqu'à ce que tu arrives au point des 5 pains et 2 poissons. Il enlève tout. Alors tout le monde te laisse, tout le monde t'abandonne parce que Dieu t'enseigne d'abord la soustraction. Celui qui perdra, retrouvera. Celui qui perdra avec Jésus, on perd. Et accepte de perdre. Ça fait mal, c'est dur, mais accepte. Jusqu'à ce que tu arrives à la dimension des 5 pains et 2 poissons. En ce moment, il introduit la multiplication. Ah, c'est ton amen qui va introduire la multiplication dans ta destinée.
Il va introduire la multiplication. Je déclare que Dieu va multiplier ton ministère. Il va multiplier providence. Il va multiplier tes finances. Il va multiplier tes enfants. Dieu est un Dieu qui multiplie le peu que nous nous présentons. Quelqu'un me dit amen bien. Quelqu'un me dit amen bien, 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 bien. Ah! Est-ce que je peux parler un peu? Il n'y a pas beaucoup de temps, mais on va aller rapidement. Écoutez-moi bien. Le texte que nous avons lu parle de trois dimensions, papa. Trois dimensions. Quand Jésus vient dans votre vie, il vous prend par la main et vous fait traverser trois grandes dimensions importantes. La première dimension, c'est la dimension de la restauration. Alléluia. Et Samuel lui dit, quand tu m'auras quitté, tu vas rencontrer deux hommes, ils te diront que tes années ont été retrouvées. Vous savez, quand vous venez à Jésus, ce que Dieu commence à faire dans votre vie, c'est de vous restaurer. Il va te redonner la santé que tu avais perdue. Il va te redonner la gloire que tu avais perdue. Alléluia. Dis-moi amen et tu reçois la restauration. J'aime Dieu dans cette dimension parce que Dieu restaure. Alléluia. Il dit ce que tu as perdu, tu le retrouveras. Mais c'est la première dimension. Le problème, c'est que nous tous, nous restons tous à la première dimension de la restauration. Et toutes nos prédications restent au niveau de la restauration. Toutes nos prières, la restauration. Tout ce qu'on fait à l'église, la restauration. Mais Dieu dit, tu dois aller plus loin. Vous voyez, si nous voulons entrer dans les plus grandes œuvres que Dieu a préparées pour nous, il nous faut dépasser la dimension de la restauration. Dieu est un Dieu de restauration et ça, c'est une très bonne chose. Alléluia. Mais Dieu n'est pas limité, merci beaucoup, par la restauration. Ah, ça, c'est frais. Ça, depuis et presque, c'est comme si je suis en Afrique, alors que je ne suis plus en Afrique. Quelqu'un dit amen. Faut qu'ils sentent quand même que je suis, voilà. Alléluia. Alléluia. Il dit, tu vas rencontrer deux hommes. Ils vont te dire que tes années ont été retrouvées. Alléluia. Quand vous êtes dans la dimension de la restauration, vous avez des œuvres, mais ces œuvres ne sont pas grandes. Vous avez un témoignage, mais le témoignage est faible. Et dans l'église, tous nos témoins, c'est ça. Dieu, j'étais malade, Dieu m'a guéri. Restauration, c'est bon, mais j'avais perdu ma entreprise, Dieu m'a redonné. C'est bon. Mais c'est faible. Alléluia. C'est faible. Dieu restaure, mais c'est faible. Alors, à un moment donné, Saül, pour lui, j'ai reçu l'onction royale, j'ai retrouvé mes années, c'est fini. Mais Samuel lui dit, de là, tu iras plus loin. Je parle à quelqu'un prophétiquement. De là, tu dois aller plus loin. Tu dois aller plus loin. Alléluia. Et après la dimension de la restauration, vous allez rentrer dans la dimension de la transfiguration. Alléluia. Quelqu'un dit oui, monsieur. La dimension de la transfiguration. Il dit, il est arrivé sur la montagne du Tabor. C'est la montagne de la transfiguration que Jésus a expérimenté, n'est-ce pas? Et il dit, là, tu seras maintenant rencontré par trois hommes. Il y a une dimension dans la vie où nous rencontrons des choses, papa. Et il y a une autre dimension où les choses, elles nous rencontrent. Donc, tu peux courir après la gloire. Mais à un moment donné, c'est la gloire elle-même qui te cherche. Je prie que tu rentres dans la dimension de la transfiguration. Ton amen n'est pas fort. Rentre dans la dimension de la transfiguration. Alléluia. Parce que dans la restauration, tu continueras de chercher des choses. Mais dans la transfiguration, c'est les choses qui te chercheront. Tout le monde veut le bonheur, mais David lui dit que lui, le bonheur l'accompagne. Tout après le bonheur, lui dit, non, moi je marche, le bonheur me suit. Quel que soit l'endroit où je pars, le bonheur me suit. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Enfin, la transfiguration, c'est lorsque Dieu change ton aspect prophétique et spirituel. Dieu te donne une face. Oh my God, oh my God. Aïe, 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 aïe. Jésus prend trois de ses apôtres, papa, c'est ça? Pierre, Jean et Jacques. Il dit, suivez-moi. Et ils vont au sommet de la montagne de la transfiguration. Et là, il se met à prier. Et puis, il déclare qu'il y a une gloire sur son visage. N'est-ce pas? Et pendant qu'il prie, il voit Moïse et Élie qui vient s'entretenir avec Jésus. Alléluia. Première question. Qui a dit à Pierre que lui, là, c'est Élie et l'autre, c'est Moïse? Quelqu'un dit, c'est la partie, là. Alléluia. Jusqu'à la fin de Jirée, on va savoir.
Et puis, Jésus parle avec eux. Pierre est ébloui par la révélation. Il dit, Seigneur, restons ici, s'il te plaît. On va faire trois tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Restons ici, oublie les neuf autres disciples. Pardon, restons ici. Et Jésus dit, non, on doit partir. Alléluia. Je vais rapidement à cause du temps. Mais la Bible déclare que quand Jésus est au sommet de la montagne de la Transfiguration, il y a un spectacle qui se passe en bas. N'est-ce pas? Un homme envoie son enfant qui est lunatique, possédé d'un démon. Et les disciples vont chasser ce démon. N'est-ce pas? Et ils n'arrivent pas à chasser l'esprit. Ils avaient l'habitude de chasser les démons, mais là, ils n'arrivent pas. Et puis, Jésus descend. Ils font le rapport à Jésus-Christ, Seigneur. D'habitude, c'est facile. Sirène des eaux, tac, tac, c'est fini. Esprit de mort, allez, c'est fini tout ça. Tac, tac. Mais lui là, on a tout fait, on a tout invoqué, on a fait onction du lot, onction du sel, onction de quoi encore, toutes les onctions. On a versé poudre, on a versé tout. Mais rien. Jésus dit, grâce des vipères, il est fâché, grâce d'incrédule, pardon. Jusqu'à quand vous supporterez? Et après, il dit, mais cette sorte d'esprit ne sort que par le jeûne et par la prière. Deuxième question. Toi, Jésus, tu n'as pas jeûné? Ah, ah ben oui. Si elle dit, ah mais oui, tu dis, ah mais comment? Ah mais oui. Si elle dit, ah mais pourquoi pas? Tu me dis, ah mais dis donc. Ah mais pourquoi pas? Ah mais oui. Ah mais pourquoi pas? Papa, Jésus n'a pas jeûné. Il nous dit, mais comment toi tu as fait pour chasser l'esprit, vu que tu as prié, certes, mais tu n'as pas jeûné. Alléluia. C'est là que vous allez comprendre la puissance de la transfiguration. Alléluia. Quand vous entrez dans la dimension de la transfiguration, Dieu vous donne des connexions qui changent votre destinée. La Bible déclare qu'au sommet de la montagne, Jésus s'entretenait avec Élie et avec Moïse. Et en bas là-bas, il y a un démon qui est lunatique. La Bible déclare que tantôt, il jette le monsieur dans l'eau et dans le feu. Or, vous vous souvenez que Moïse, c'est le prophète qui a le mystère de l'eau. Et Élie, c'est le prophète qui a le mystère du feu. Alléluia. Donc, quand Jésus redescend de la montagne, il descend avec le mystère de l'eau et le mystère du feu. Donc, quand il arrive, il voit l'esprit. Quand l'esprit veut aller dans l'eau, il est repéré par Jésus. Quand il va aller dans le feu, il est repéré par Jésus. Il dit, monsieur, faut sortir. Et l'esprit est parti. Quelqu'un me dit, amen, bien. Je prie que Dieu te donne des connexions qui vont accélérer ta destinée. Des connexions qui vont accélérer ton ministère. Des connexions qui vont accélérer tes affaires. Quelqu'un dit, oui, monsieur. Certaines connexions peuvent te donner d'aller très vite, papa. Ce que les autres peuvent chercher dans la prière, dans le jeûne, une seule connexion peut te donner ça rapidement. Frère, il y a ce qu'on appelle le mystère du fortement. Lorsque tu te frottes à un homme de Dieu, frère, il y a des choses que tu possèdes naturellement. Un jour, les pharisiens disent à Jésus, toi, on ne te comprend pas. Nous, les pharisiens et les disciples de Jean, nous jeûnons deux fois par semaine. Toi, tes disciples ne jeûnent jamais. Jésus leur dit, pourquoi vous voulez qu'ils jeûnent? Pendant que le poids est avec eux, pendant que je suis avec eux, ils se frottent à moi. Ce que vous cherchez dans le jeûne de la prière, eux, ils l'ont naturellement. Frère, je connais des gens qui ont jeûné et prié 40 jours pour recevoir ce que d'autres ont reçu juste par une imposition des mains d'un père. C'est le mystère du frottement. Frère, Jésus venait de se frotter avec Élie et Pierre, Moïse. Il doit donner le secret pour dire, tu sais, quand tu vas descendre là, il y a un esprit là-bas là. Il va rentrer dans l'eau. Moïse dit, l'eau là, il est fini. Moïse, il est tiré de l'eau. Son nom, c'est tiré de l'eau. C'est lui qui a séparé les eaux. C'est lui qui frappe le rocher et puis l'eau sort. L'autre côté là-bas, il s'appelle Élie. Lui dit, le feu descend. Et les deux maîtrisent chacun son domaine. Il faut bien te connecter dans la vie. Si tu me dis amen, bien, je donne quelque chose de très fort. Parce que papa, il y a un genre de bénédiction qui dépend de la qualité de ton voisin. Regarde ton voisin, dis voisin.
Papa. Quelqu'un dit oui, monsieur. Papa, les enfants d'Israël sont sortis tous le même jour de l'Égypte, mais pas avec la même prospérité. Parce que la prospérité de chacun dépendait de la qualité de son voisin. Ma Bible dit que l'Éternel parla à Moïse. Il dit que chaque homme aille chez son voisin. Que chaque femme aille chez sa voisine. Et vous prenez tout ce qu'il y a là-bas. Donc, celui qui avait deux assiettes, il sort deux assiettes. Celui qui le voisin a deux voitures, il paie deux voitures. Donc, ils sortent tous ensemble. Et quand ils se regardent, ils n'ont pas la même bénédiction. Parce que la bénédiction de chacun dépend de la qualité de son voisin. Oh, je prie que Dieu te donne de bons voisins. Ici à Gilet, que Dieu te donne de bons voisins. Des voisins de destinée. Des voisins de gloire. Des voisins qui vont te propulser dans ta dimension. Frère, ce n'est pas tout qu'on obtient par prière. Ce n'est pas tout qu'on obtient par la foi. Il y a des choses qu'on obtient par la qualité de son voisin. Histoire. Oh, ça c'est l'histoire qui m'a battu. Nous étions tous dans la ville. Et il y avait un criminel, un voleur, un violeur, escroc aggravé, assassin. Il a fait tellement de mal. On a prié pour qu'on l'arrête et on l'a arrêté. On était tous à son procès, condamné à mort. On a dansé. Le jour de son exécution, nous sommes tous allés. En fait, on était contents. Ça va le tuer. Il est mauvais. Que Dieu punisse le diable et sa belle-mère. Alléluia. Et puis, papa, au moment où le monsieur, on doit le tuer, 5 minutes avant sa mort, il a eu un bon voisin. Il a dit à son voisin, voisin, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et son voisin de lui dit, aujourd'hui même, tu rentreras dans le paradis. Avec moi, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, voici quelqu'un qui a fait de mauvaises choses. Mais à quelques minutes de sa mort, il a eu un bon voisin. Ça a changé la destination de sa mort. Je parle à quelqu'un. Jésus a été son bon voisin. Écoute, il y a Jésus pour toi qui est un bon voisin. Et je prie que après ce programme, Dieu te donne de bons voisins. Frère, en Côte d'Ivoire, pendant la crise, il y a des gens qui ont été tués à cause de leurs voisins. Il y a des gens qui ont été sauvés aussi à cause de leurs voisins. Parce que quand on venait les tuer, le voisin a dit non, s'il vous plaît, pas lui, parce que lui, il était très gentil avec nous. On l'a laissé. Ça dépend de ton voisin. Donc, il faut choisir bien le quartier où tu habites. Il y a des quartiers, il faut laisser. Parce que les voisins ne sont pas bons. Quelqu'un dit oui, monsieur. Alléluia. Frère, dans la dimension de la transfiguration, Dieu te donne de bons voisins. Dieu te donne des hommes qui vont impacter ta vie. Alléluia. Dieu a dit d'aimer tout le monde. Mais il n'a pas dit de marcher à tout le monde. Toi, ton problème. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Frère, après la dimension de la transfiguration, la troisième dimension où nous pouvons avoir des œuvres grandes, c'est la dimension de la transformation. Dieu vous prend, il vous restaure, il vous transfigure pour vous emmener dans la transformation. Dieu est plus intéressé par ta transformation que par ta restauration. Quelqu'un dit amen. C'est pour ça que Samuel dit, Dieu va te donner un autre cœur. Il va changer ton cœur. Tu vas rencontrer une troupe de prophètes. En entrant dans la ville, tu vas prophétiser avec eux. Tu sais, il y a une ville de destinée dans laquelle tu dois entrer. C'est quand tu vas rentrer dans cette ville que tu seras transformé. Alléluia. Il y a des gens qui portent ce que tu cherches. Tu dois entrer au milieu d'eux. Tu ne peux jamais être milliardaire si tu ne connais pas un milliardaire dans ta vie.
Tu ne peux jamais réussir ton mariage si tu ne connais pas quelqu'un qui est bien marié à côté de toi. Tu ne peux pas réussir dans le ministère si tu n'as pas quelqu'un qui a réussi le ministère devant toi. Il dit, en entrant dans la ville, il y a une ville, tu dois rentrer dedans. Moi, toi et moi, on doit rentrer dans la ville des milliardaires là. Ah mais oui. Amen. Dis ah mais comment? Amen. Ah mais pourquoi pas? Amen. On doit entrer dans la ville. Alléluia. Parce que notre destinée est précieuse. Alléluia. C'est là que nous pouvons avoir des œuvres fortes et puissantes. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Frère, là, on a appelé à avoir des œuvres fortes et puissantes. Parce que notre destinée est grande. Tu vois un peu, ta destinée ressemble un peu à celle de Joseph. Tu veux finir un peu. Ta destinée est grande. Alléluia. Moi, j'aime Joseph. Il faut dire Jojo. Jojo, le gars n'est pas normal. Tu sais, arrivé au ciel, il y a des gens que je vais interroger un à un comme ça. Alléluia. Samedi, je parlerai sur un thème fort, le bâton de Judas. Trop fort. Jojo. Le monsieur, il a reçu de son père une tunique bigarrée. Ses frères avaient reçu des tuniques, mais unique. Tu vois? Dans la vie, quand tu as une seule dimension, on peut vite t'arrêter. Mais lorsque tu es multidimensionnel, on ne peut pas t'arrêter. Chaque frère, certains avaient le bleu, d'autres avaient le rouge, le noir, c'est fini. Mais Joseph, il avait bleu, vert, rouge, jaune. Donc, quand tu l'attaques dans le bleu, il devient vert. Tu attaques le vert, il devient jaune. Tu attaques, il devient noir. Je prie que Dieu te donne d'être multidimensionnel. J'aime pasteur Gilles, il est multidimensionnel. Tu ne peux pas l'arrêter. Il faut laisser. Quelqu'un qui a la tunique bigarrée, il faut le saluer, il faut avancer lui. Il ne faut pas l'attaquer. Tu sais, chacun a comment je vais dire, a sa race. Tu vois? Même dans l'église, chacun de nous a sa race. Il y a des gens qui sont de la race de David. D'autres sont de la race de Joseph. Quelqu'un qui est de la race de Joseph ne l'attaque jamais. Parce que partout où tu le jettes, il pousse. Surtout quand tu le mets en terre, là même tu l'as arrangé. Ça, c'est la race de Jésus. Tu le mets dans le tombeau, il sort ressuscité. Tu mets Joseph dans la citerne, il sort la primature. Quelqu'un me dit amen. Les gens de la race de David, eux, il ne faut pas les attaquer. Plus tu les combats, ils deviennent dangereux. André Sangoku. Quelqu'un dit Jojo. La Bible dit que son père lui donne la tunique à bigarrée. Et ses frères sont fâchés. Parce que le jeune homme, il a rêvé. Il a eu des songes, n'est-ce pas? Et il veut le tuer. Depuis quand on veut tuer quelqu'un à cause de songes? Songes. Il dit tuons-le. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Eux-mêmes ont prophétisé qu'on va voir ce que ces songes vont devenir. Tu sais, tes ennemis prophétisent, hein? Sans le savoir, eux-mêmes annoncent de grandes choses sur ta vie. Oui! Il n'a pas d'âme, il n'a rien. Tu comprends par là que quelqu'un qui a une vision est très dangereux. Les gens te combattent juste à cause de ta vision, hein? Ouais, les personnes les plus dangereuses sur la terre, c'est les hommes de vision. Et ils vont l'arrêter. Ah, j'ai fini ça. Mais les frères de Joseph ont commis trois graves erreurs. Ils auraient dû venir me demander. J'allais leur dire, voilà qu'on peut le tuer rapidement. Mais ils étaient tellement poussés à vouloir l'exterminer qu'ils ont commis de graves erreurs. Quelqu'un dit, oui, monsieur. Oui, monsieur. Je peux avancer? Avance. Je peux? Première erreur. Ils ne savent pas que la destinée de Joseph est liée à sa tunique. Ils ne savaient pas ça. Donc, quand il arrête, s'il m'avait demandé à moi, bouche d'or, je lui dis que prenez lui et sa tunique, attachez-le, puis
Tuez-le. Et c'est fini. Mais qu'est-ce qu'ils font, papa? Ils enlèvent la tunique. Et ils mettent Joseph dans le puits. Mais sa tunique est hors du puits. Donc, le monsieur est dans le puits, mais sa destinée est hors. Oh, il y a des gens qui pensent se faire du mal, mais ta destinée n'est pas à leur niveau. Oh. Jésus dit, laissez-les taper le corps. Le corps, c'est rien. Mais il ne peut pas toucher à la destinée. Donc, son corps est dans la citerne, mais sa destinée est hors de la citerne. Première erreur. Deuxième erreur, papa. Eux-mêmes, ils vont chercher un animal. Qu'ils tuent, ils recueillent le sang de l'animal et ils plongent la tunique dans le sang de l'animal. Bon, en théologie, on appelle ça la substitution. Ça veut dire que quelqu'un meurt à la place de quelqu'un d'autre. Donc, eux-mêmes, en le faisant, ils étaient en train de prophétiser que le monsieur ne peut pas mourir parce que l'animal est déjà mort à sa... Ça te fait penser à ton histoire. Il y a un certain agneau de Dieu qui est mort à ta place. Aïe, aïe, aïe. Jésus est mort pour toi. Tu ne peux pas mourir au nom de Jésus. Je déclare que la galère ne va pas te tuer. Le stress ne va pas te tuer. Rien ne peut te tuer. Parce qu'il y a un agneau immolé qui est mort à ta place. Quelqu'un dit erreur. Fatal même. Donc, eux-mêmes étaient en train de protéger la destinée de Joseph en tuant un animal à sa place. Troisième grave erreur maintenant. Eux, ils ont exagéré. Eux-mêmes prennent maintenant la tunique et ils ramènent la tunique à Jacob pour dire, voici la tunique de ton fils qui est mort. Ils étaient en train de prophétiser que quel que soit le temps que ça va mettre, Joseph va retrouver son père Jacob. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Écoute-moi bien. Ils ont apporté à Joseph, à Jacob, la preuve que son fils est mort. Or, dans le domaine spirituel, la preuve n'est pas toujours la vérité. La femme de Potiphar avait la preuve. Mais ce n'était pas vrai. Il y a des gens qui ont la preuve de ton péché, mais ils n'ont pas la vérité de ton pardon. Ils ont la preuve de ta pauvreté, ils n'ont pas la vérité de ta prospérité. Ils ont la preuve de ta maladie, ils n'ont pas la vérité de ta guérison. Ils ont la preuve de ta pauvreté, ils n'ont pas la vérité de ta prospérité. Ce soir, je viens libérer la preuve, la vérité de ta destinée. La vérité va prendre le pas sur la preuve au nom de Jésus. Le diable est expert dans les preuves. Hein. On a la preuve que cette soeur a fait ça. On a toutes les preuves que le pasteur a fait ça. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Mes amis, quand quelqu'un ne t'aime pas, il prend ta tunique. Laisse-le aller avec la tunique. Parce que là où il part avec ta tunique, il est en train de tracer le chemin de ta destinée. Parce que je parle à quelqu'un. La femme de Potiphar a pris l'habit de Joseph. Elle dit ça, voici la preuve que je garde pour montrer à mon mari Potiphar. Oh, Potiphar, c'est l'officier de Pharaon, celui qui voit la face de Pharaon. Donc, en présentant l'habit de Joseph à Potiphar, elle prophétisait qu'un jour, Joseph va rencontrer Pharaon. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est toi, Amen, qui veut établir la prophétie là. Aïe, 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 aïe. Et c'est arrivé. C'est pour cela que Jésus dit, quand quelqu'un conteste ta tunique, laisse même ton manteau. Papa, tu sais que Jésus va venir sur la terre. Pour quelle raison? Parce qu'avant de monter à la croix, les soldats romains ont pris sa tunique. Jésus va revenir prendre sa tunique. Ah, là où ta tunique part, tu vas arriver au nom de Jésus. Là où les gens qui parlent mal de toi partent, ils tracent le chemin de ta destinée au nom de Jésus. Quelqu'un dit un amen violent et ça s'accomplit. Et c'est les mêmes plus tard qui vont venir dire à Jacob, Joseph vit encore. Ah! Frère! Il l'a enterré trop tôt.
mais il vit encore. Il y a des gens ici en France qui t'ont enterré très tôt, mais ils vont avoir le témoignage que tu vis encore. Tu vis encore. Les mêmes qui avaient annoncé sa mort, c'est les mêmes qui sont venus dire, il vit encore, oh, papa, il vit encore. Jacob dit, vous dites quoi? On dit, Joseph vit encore. Alléluia. Ah, il vit encore. Bien-aimé, nous devons vivre pour annoncer et pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Alléluia. Il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. On doit rentrer dans ces œuvres-là. Alléluia. Frère, tu sais, il n'y a rien qui a plus de valeur que ta destinée. Ta destinée, elle est précieuse devant Dieu. Alléluia. Hein? Quelqu'un dit oui, monsieur. Bon, c'était l'introduction des gilets. Est-ce que tu peux t'élever, pousser des cris de joie vers le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de triomphe? Des cris de triomphe? Des cris de joie? Ta voix pour déclarer avec toi cette parole.